Une pigou expérience politique que me fait et comme journaliste, c'est pas de période ça, période de la transition. D'abord, songez que comme journaliste, à cette époque, journaliste militant, puisque maintenant Radio Solidarité, et nous avons mené une bataille, puisque une période ça a été gagné, média a été fait en deux, et un combat pour le départ de Jean-Bernard Aristide, et média a été fait en deux. Il y avait le groupe ANMH. Et qui était regroupé les principaux médias, capable dit, etc., etc. Et puis, il y a un petit groupe média qui était AMI, qui c'est l'association des médias indépendants. Indépendants, c'est pour nous dire que nous sommes indépendants par rapport avec le pouvoir qu'il a. Et dans la période de ça, nous sommes à ANMH, et bien, tu as fait l'ultime erreur hein, pour le terrain 1984. Donc, ANMH, tu as pris position claire dans la bataille politique là. Et il n'est pas seulement arrêté à critiquer, à dénoncer, mais ANMH, eh bien, il était rejoint le groupe d'Est 84, principal groupe qui a mené le combat pour jeter Aristide. Donc, disons mieux que à cette époque, la presse a fait le coup d'État. Et la presse, pas non seulement supporte-t-elle, mais comme on dit toujours, nous avons débattu avec moi qui était dans 84, moi qui était dans les médias ANMH de la période ça. Et là, c'était moi-même, mon bon, moi-même. Et les gens comme Mario, ici, Valérie Numa, et qu'est-ce qu'il y a? Vision 2000, métropole, tout le monde a qui c'est Caraïbes, tout le monde a un ANMH, ou même t'es pratiquement, t'es presque celui-là, dans la période de ça. Quelques rares médias qui t'ont mené combat pour Aristide Patalé. Et me songer, et dans Delma 80, dans Delma 60, et groupe étudiant qui pourra battre moi, hein, parce que c'était, j'étais l'autre voix qui t'a dit une autre parole. Non? Donc, monsieur, t'es attaqué, c'est Michel Gaillard, hein, le côté mémoire qui était venu pour sauver moi. Et, je prends un coup de roche, je prends un coup de pied, parce que je n'ai pas de l'homme, comme journaliste, je dirais les journalistes, rate pas caca, parce que moi, j'étais dans l'autre l'aile, là, dans l'autre l'aile, qui pas d'accord coup d'état, parce que moi, j'ai dit, depuis moi, fou, depuis moi, visage à peine, moi, béquet, j'ai dit, bon, ça n'a pas lu de non, parce que moi, j'aime qu'on la bourgeoisie, qu'on lie là avec le peuple. Pour faire révolution. Donc, il y a des gens de la bourgeoisie qui sortent du lot, tant qu'on est Castro, tant que Che Guevara, qui ont fait révolution. Peuple, mais la bourgeoisie comme entité, et là, je suis à Pedro Bekem, de monde 184, et là, ça va pas bon, c'est manifestation, c'est belle manifestation, mon monde, on voit, bon, pas que je ne vais pas faire la manifestation, pas bon, non, je dis, il y a un bel monde. Il y a un monde, je dis, oh, c'est une belle! On c'est pour la première fois les bourgeoisies, on prend mulatte dans la rue, mélange avec peuple, et puis il faut nous faire jump, les réussites finales, et puis maintenant, comme si on va le bailler au pouvoir, non seulement, et réussite aller, hein, dans la période ça, et puis les convergences démocratiques qu'on est, on va le bailler au pouvoir, et puis ils font un dribble, et puis il y a décacheté Gérard Tortue, Gisbo Karaton, et bien poser la boule figuine là, et puis Gérard Tortue pour pouvoir. Et deuxièmement, des étudiants qui étaient liés avec 184, qui étaient liés avec APED, avec Becker, des étudiants de l'Université d'État, de Inagui, du Sens Humain notamment, qui étaient dans la bataille, qui étaient font seul avec la bourgeoisie, et bien, ils ont fait un fond de jambe pour, et bien, la bourgeoisie va prendre 3 ans pour le papier douane, franchise douanière. Et puis, il y a qui était touché pour la manifestation. Je crois que c'est 50 dollars américains. Et puis, il y a été couru. Et des étudiants pour la manifester. Et même si tout n'est pas conjoint, mais il y a été couru. Nous étions là. Et bien, il y a pris tout pour eux. Pour avoir étudié ou rien. Vous comprenez? Et il y a pratiquement. Je ne sais pas si c'est une expérience qui endommage la lutte étudiante dans le pays d'Haïti. Parce que jusqu'à présent, les étudiants n'ont pas jamais réconcilié avec le peuple. Là. Jusqu'à présent, le mouvement étudiant en Haïti, le point pigo cool, c'est avec le mouvement ça, quand tu as lié avec la bourgeoisie haïtienne contre un pouvoir. Même si le pouvoir a fait des rives, même si le pouvoir a un problème pâle, mais c'était historique, c'était inédit dans l'histoire, en lutte populaire, et pour étudiants, tu es en tête que la bourgeoisie est capable d'allier avec eux pour jeter ton président. Comme de fait, a essayé de tomber, me dit déjà, eh bien la tortue vient de prendre pouvoir. Mesdames et messieurs, deux transitions ça. Pour moi-même, et me toujours dire, moi pensais que pendant 2 ans ça, et t'as plus crime, t'as plus massacre avec assassinat, il y a plus de monde qui était mort pendant le coup d'État 29 février 2004 là que le coup d'État 1991. J'ai été témoin,
Et j'écris un livre dessus depuis pratiquement 15 ans. Bah, j'ai fini le livre là. Sur René Préval, de pas sorti le livre là. Préval pensait que pas ton bon moment pour me faire lire. Mais j'ai vu, j'étais témoin de tous les massacres perpétrés dans les quartiers populaires. Parce qu'il y a un mouvement en d'un pays. Hein, et à cette époque, c'était Léon Charles qui a dirigé la police, là, mesdames et messieurs. Eh bien, ça a dirigé pendant 2 ans avec des mains de fer. Avec un mec qui était, comme tout le monde, c'était un nazi, qui c'est un Bernard Gousse, qui était ministre de la Justice, mesdames et messieurs. La torture entrée là, arrêté Privert, y arrêté Yvon Neptune, y arrêté Sohan. Depuis après 100 Lavalasso, seulement, ils mettaient tout le monde en prison, René Civil sauvé, ça capable de courir, Paul Raymond, GTO, véritable chasse aux sorcières. Et là, ils finissent de mettre monsieur Sohan en prison. Et c'est Bernard Gousse, même qu'elle a arrêté Joseph Privert, comme ministre de Justice. Hein? Et arrêté Yvon Neptune. Yvon Neptune, de forme d'autotale, mettant tête lui. Et il était capable de prendre pouvoir. Parce que là, il fait discours. Là, il reconnaît qu'il a essayé de démissionner. Hein? Et là, il va pas jamais pardonner Yvon Neptune. Etc. Donc, la torture qui va diriger le pays pendant 2 ans avec des mains de fer, mesdames et messieurs. Et en pile massacre dans le quartier populaire. On a peut-être parlé des massacres, c'est les actes de massacre. Mais malheureusement, dans la période ça, la presse s'était tue. La presse, pas de parler de eux. T'es un grand monde qui t'a parlé de bagages ça, c'était moi-même seulement. Et t'es un Astrel Jean Bristou qui t'a qu'on a parlé de bagages ça. C'est pratiquement deux radios, Tropic FM, Solidarité, qui ont même dénoncé les exactions, les crimes commis sous le régime de la torture. Mais à cette époque, la presse, depuis que tu es mort, depuis que tu es mort dans le quartier populaire, tu dis bandit. Il y a besoin, sans complice, sans dire, sans aucune analyse, les amis de tous les médias confondus, dans la période là. Depuis que tu es dans le quartier populaire, tu es net ou c'est bandit. C'est dans la période ça, tout le monde dit que comme journaliste, je vais chauffer, le pousser, parce que je me dis que, mais bien, mon dit c'est chimère, c'est bandit, donc je vais quitter les cheveux, me pousser, mes longueurs, ça fait que je vais bien. Il y a des histoires à raconter l'autre là. Même période, ça a été dur en pile. Et c'était un pile massacre. Un pile monde perdu la vie. Yo. Et je me souviens une manifestation qui sorti là, samedi là, avec Père Gérard Jean-Just qui a sorti belle. Et puis, arrivé dans la rue du Fort, pendant la descente, et bien, la tortue, Léon Charles, et bien, il y a eu l'autre, ou fait feu. Il y a fait feu sur manifestation, Père Gérard Jean-Just, qui tombe bon côté là. Comme qui prend une balle, bon Père Gérard Jean-Just qui tombe. Et je ne vais pas me mentir. Père Jean-Jean, c'est pas malade, il tape tout là. C'est balle qui tape tout là. Et Père Jean-Jean juste dit en avant, et c'est là ça, il a posé la torture question. Il a dit, il y a des gens qui mourent, on 30 septembre. On 30 septembre. 30 septembre. Et puis il a dit la torture, ça qui passe, il y a des gens qui prennent balle, il y a des gens qui. Il s'est dit, ah ben, il a tiré sur nous, nous tirons sur nous, oui. Il est tombé, oui. Il est tombé, oui. Mais j'étais assumé crime. Là. Mais, forme de tout ça, et non, complicité du silence de la presse en général, et dans le pays de ça, qui était d'accord. Même tu comprends tout parce que la presse avait fait le coup d'État, de la presse se devait de le soutenir. Il n'y a pas de l'autre choix. Il n'y a pas de l'autre choix que supporter le coup d'État et un pile crime fait. Un pile crime. Mais si on a demandé que les Ketia, ils ont arrêté Belé, et Ketia, ils ont fait Ketia coucher, Ketia a dit qu'on a 7 mois dans votre lit, et puis ils ont fusillé Ketia tout petit dans votre lit. Ils étaient dans la zone dans les arts. Un pile crime. Bon, l'homme songe. Gongri Gol 5 sorti dans zone perpétuelle qui a descendu. Par contre, si nous avons rue qui mène, mais on dit rue Pétion qui a descendu dans zone Bolice Pétion. On crime, on massacre tête chargée. D'un côté, on doit tuer des périodes là, donc tu as pile crime sous tête là, monsieur, un pile crime que le fait, qui fait sous régime ni, hein, et monsieur, pas de cœur de ça. Il y en a d'un, et comme tout conseil comme un criminel, c'est Léon Charles. Et Léon Charles, je lui ai mis un escadron dans moi-même. Je suis parti avec la police pratiquement. Je lui ai mis une équipe ancien militaire campé sous pied. Et ça a été un grand bagage nettoyé quartier. Le monde a eu un rapport. Il va laisser lave à la souris de belle, la salle, la souris de nous, la cité de soleil, bois. Il va rejoindre nos pans, nos fans, nos rachots. Et bien, tout le monde est d'accord. Ah, chimé, bandit. Donc, effectivement, mesdames et messieurs, c'était ça, la gestion de la torture. C'est vrai que monsieur, probablement, fait des bagages positif tout parce qu'il y a un régime qui est totalement mauvais. Et monsieur prend des décrets véritablement qui aident Haïti à aider aujourd'hui. Mais il est vrai aussi que monsieur a fait un pire crime et sous gouvernement là. Et pas jamais quelqu'un qui dit rien, pas jamais un jugement qui fait. Tout le monde était bébé dans la période là. Et tout le monde était d'accord que monsieur est capable de mourir. Mais nous-mêmes, nous sommes campés pour nous dire non, nous pas d'accord que vous tuez innocent. Et la tortue avec Léon Charles, il a dit que c'est bandit à tuer. La tortue allait, Léon Charles allait.
je vous le garantis, mesdames et messieurs, c'est René Préval. Hein? C'est René Préval. Et bien, qui va arriver maintenant au combat pour neutraliser les bandits des quartiers populaires, mesdames et messieurs. Donc, Gérard Latortue, qui a passé 2 ans au pouvoir, et Préval qui va le prendre pouvoir, et nous connaissons tout le coup que fait. Et finalement, Gérard Latortue, mesdames et messieurs, qui est rentré la Kali, et nous songez, les messieurs pour la Kali, Michel avec Soberman. Michel avec machine l'État. Hein? Monsieur fait mettre son bateau pour lui, la lavelle. Et puis, il lui a dit, monsieur, ça qui passe là, monsieur dit, oh, je me tourne la Kali, moi. Il est tourné la Kali, oui. La Kali, c'est beau caraton. Donc, blanc, qui à chaque fois, mesdames et messieurs, pas jamais, et, nous, quand on a mené mouvement, nous, c'est nous qui avons mené mouvement, blanc, fout notre tribu. Blanc, fout notre tribu. Ouais. Donc, c'est ça la situation, mesdames et messieurs. Nous pas jamais de contrôle, nous sommes capables de battre la peine. Donc, j'ai entendu que tu as dit c'est parti à Famini, à Zamini, à mon qui te connaît, à mon qui te fréquente, à Madame, à Petitli, un bruit intellectuel, mesdames et messieurs, mais qui n'a pas passé, toi catholique, dans le pays d'Haïti, et, puisque pendant 3 ans, monsieur t'a favorisé la bourgeoisie pour faire, pour pas jamais payer taxes. Peut-être 3 ans, monsieur t'a fait un pile crime dans le pays, un pile monde t'est mouru, un pile monde t'est perdu la vie, un pile monde t'est emprisonné. C'était vraiment la chasse aux Lavalassiens, mesdames et messieurs.